La profession perpétuelle signifie dire oui pour toute la vie, dire un oui pour toujours. Et ce oui vient après un long processus de discernement. Je dirais que depuis la première profession religieuse, dans cette profession, nous avons une formule nous disant que bien qu'ayant l'intention de m'offrir à toi pour toute la vie, je fais un vœu pour un an, disons, parce que il est important de faire un parcours de discernement. Et évidemment, la profession perpétuelle vient comme, disons, vient parachever non, ce processus, ce chemin, non, chemin vocationnel. Pour aider quelqu'un qui n'a aucune idée non, de ce que pourrait signifier la profession perpétuelle, je partirai de l'image prise de la société. Vous savez que quand quelqu'un fait ses premiers pas dans une entreprise ou dans une institution, il y a deux types de contrats. Le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée. Et donc, pour que la personne puisse parvenir à obtenir un contrat à durée indéterminée, il doit faire un cheminement. La même chose pourrait aussi s'expliquer non, à partir de la profession perpétuelle. Parce que nous autres, nous devenons membres de la congrégation salésienne à partir de la profession temporaire. Et donc, après la profession temporaire, donc, nous avons un cheminement à faire avant de faire la profession perpétuelle. Et donc, la profession perpétuelle, pour nous, serait donc le oui définitif non, que nous disons à Dieu, un oui que nous essayons de corroborer à partir de la profession temporaire. Pour moi, la profession perpétuelle est un moment de joie et d'action de grâce non, au Seigneur qui a compté sur moi, non, ou bien qui continue de compter sur moi pour sa mission. Alors, après tout ce processus non, et vocationnel, depuis l'aspirantat, en passant par le noviciat, le post-noviciat, le stage pratique et maintenant les années de théologie que je suis en train de savourer, et je pourrais dire que bon, cette profession perpétuelle est un moment pour pouvoir repenser non, mes premiers instants, hein, mes motivations, ce qui m'a vraiment amené non, à devenir salésien et à dire un oui définitif, un oui pour toujours Seigneur, pour pouvoir travailler non, dans la vigne du Seigneur au service des jeunes. Ce pas revêt un caractère très important dans ma vie, et en ce sens où il me permet, non, premièrement, de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour moi. Et d'une autre part, il me permet aussi, il m'associe à sa mission, d'être un collaborateur de sa mission. Et donc, c'est un sentiment d'action de grâce, un sentiment de gratitude pour moi. Je pense que ces deux expressions me permettent de pouvoir souligner et de donner un caractère particulier donc, à ce pas vocationnel. Notre monde aujourd'hui a besoin de salésiens, de salésiens. Pourquoi? Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, il y a des jeunes. Et là où il y a les jeunes, bon, cela justifie non, la nécessité de la mission salésienne. Donc je dirais que le monde d'aujourd'hui, avec le contexte des jeunes, la réalité que ceux-ci sont en train de vivre, on voit qu'ils ont besoin d'un maître, d'un guide, d'une personne qui puisse les conduire non, sur la bonne voie. En ce sens, cela justifie non, la nécessité non, et qu'il y ait des salésiens pour les accompagner, pour leur montrer le vrai chemin. Le monde continue d'avoir besoin de salésiens parce que partout dans les quatre coins du monde entier, il y a des jeunes. Là où nous allons, nous rencontrons des jeunes. Pour ce faire, nous avons besoin de salésiens qui soient des témoins authentiques au milieu d'eux, pour les aider, les accompagner dans leurs nécessités et dans leur vie. Je crois qu'aujourd'hui, Jésus m'appelle à me configurer à lui, à devenir ce bon pasteur non, qui donne sa vie pour ses brebis. Avoir la capacité d'écouter les jeunes, de lire sa réalité, de comprendre son contexte, ses problèmes, ses difficultés, et donner une réponse réelle, non ? Une réponse qui réponde vraiment à la réalité qu'ils vivent ces jeunes-là.
aussi accompagner, donner une réponse et donner une espérance non, dans la vie. La capacité de pouvoir rêver, savoir que tout est possible dans cette vie-là, quand l'on se donne vraiment, quand on a les motivations pour pouvoir réaliser ses rêves. Je crois que Jésus m'appelle aujourd'hui à être un semeur de l'Évangile et un témoin de l'Évangile. Cela veut dire celui qui non seulement non, prêche l'Évangile, mais aussi vive l'Évangile. Mais dans cette manière de vivre l'Évangile, c'est d'être au milieu des jeunes et au milieu du peuple de Dieu pour les accompagner. Non comme un pasteur dévorateur, mais sinon un pasteur qui sait écouter non, les besoins et les nécessités du peuple de Dieu. Et dans ce sens-là aussi, je pense que les jeunes sont notre priorité, non? Être au milieu d'eux, les accompagner et vivre aussi leurs difficultés. Avant toute chose, il faudrait donc rappeler que nous, en tant que Salésiens, nous avons une dévotion particulière, non, envers Marie Auxiliatrice. Marie Auxiliatrice. Et cela date de Don Bosco. Voilà. Et aujourd'hui, que pourrais-je donc demander à Marie Auxiliatrice? La première des choses serait lui confier ma vie, ma vocation comme Salésien, ma fidélité à Jésus. Et la seconde chose serait confier la réalité, le contexte, la vie des jeunes non, entre les mains de notre mère, notre chère mère, la Vierge Marie. Et pour finir, la troisième chose serait lui demander qu'elle suscite non, des vocations, surtout des vocations salésiennes, à la vie religieuse salésienne. Je confie à Marie Auxiliatrice toute l'Église, parce que elle est la mère de l'Église universelle. Et dans ce sens-là, et comme je me sens aussi membre total de l'Église, de cette même Église, je lui confie ma vocation, je lui confie tous les jeunes, et sans oublier tous les Salésiens du monde entier qui travaillent d'arrache-pied pour que notre vocation non, soit vraiment une vocation authentique et qui puisse toucher le cœur des jeunes à se faire aussi salésiens.